Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode 44. Et les amis, excusez-moi, j'ai passé quelques jours sans vous diffuser d'épisode, que ce soit Dead Space ou God of War, tout simplement parce que mercredi dernier, je me suis fait opérer. Voilà, je suis passé sur une table d'opération, rien de bien grave, je suis toujours en convalescence, ne vous inquiétez pas. C'est pour cela que j'ai rien pu diffuser, parce que je ne pouvais ni enregistrer et je n'étais pas en état non plus. Merci de votre compréhension, évidemment. Allez, c'est parti, on continue notre aventure principale. Nous avons, je le rappelle, plutôt très bien avancé. Et j'ai une dette envers elle. Mais attends, ça... Qu'est-ce que c'est ? Ok... Ok, ça je mets... Ça je mets... Mais ça, qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air d'être un truc... un truc à brûler, non ? Voilà, j'arriverai jamais à l'attendre. J'arriverai par contre peut-être là. Ok. Ensuite là. Je sais pas. J'essaye des choses, mais j'y crois moyen. Ouais, non. Ça me paraît un petit peu compliqué d'ici. Je pense pas qu'on puisse y faire grand chose. Et là, on va fouiller un peu. Est-ce qu'on était passé par là? Non. Tout simplement parce qu'il n'y a rien à faire ici. Ok, allez, on continue, les amis, suite de notre incroyable aventure, évidemment. Let's go! On va passer par ici. C'est un nouveau chemin qui s'offre à nous. Rappelez-vous, on n'avait pas la lance à ce passage-là, à ce moment-là du jeu. Et c'est un raccourci, tout simplement, pour atteindre le camp. Oh, regardez-moi ça. Attendez. Ok. Très bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ok, let's go. Allez, cendre divine. Plus 500. Sois sur tes gardes. Très bien. Ça, mon frère. Ok, écoutez, on continue. Cendre divine, on verra à quoi ça sert. Ok. Embrouille ? Oh non, embrouille. Kratos ? Atreus ? En voilà des retrouvailles bienvenues. Certes inattendues, mais bienvenues. Tu nous connais ? Impossible ! Est-ce bien qui je crois ? Oh, espèce de vieux pourceau ! C'est presque bon de te revoir. Et pour une fois sous une forme humaine. Enfin, presque. C'est donc ainsi qu'on t'a sorti la tête du fondement. Voilà qui calmera peut-être tes sales manières de menteur borgne lubrique et ivrogne. Il a toujours été le plus gros porc de nous deux. Je ne... Tu te souviens... Vraiment... Conseiller des... Et tu m'as tiré dessus. Sur mon ordre. Non. Ma flèche. Ma responsabilité. C'est oublié. Vanheim a grand besoin de notre aide. Même de... celle de Mimir. Suivez-moi. Mais évite de pointer ton arc n'importe où. Ma peau n'est pas aussi épaisse sous cette forme. On peut y aller dès que vous êtes prêts. Où allons-nous ? J'ai une faveur à vous demander. Je m'expliquerai en chemin. Nous avons oublié quelque chose. Nous reviendrons. Promis. Ok, je ne me souviens pas du tout de lui. Où est Freya? Elle est venue ici pour aider son frère. Les Eneria ont capturé Freyr et Bigvir.
Elle a pris la tête. Je plus me nombreux que lors de votre dernière visite. Du pire encore, du man. Les loups célestes sont introuvables très depuis étrange. Plusieurs jours. Enfin, je crois. Sans lune pour éclairer le ciel, on perd la notion okay. du temps. Pas de lune. Ça c'est quoi ça? On comme peut pas sur y aller. Fresque. Ah, bah sûrement que la quête nous refera parte à leur recherche. Sortir de ce côté-ci. Nous ne sommes pas je assez me souviens nombreux. Bien qu'on avait oublié si quelque chose, mais je pense qu'on l'a juste récupéré. C'est parti. Let's go. Je vois que alors vous trouverez leur tanière dans cette direction. Bonne chance. Ne tirez pas sur les sangliers. Tu crois qu'il m'a vraiment pardonné de l'avoir blessé? Crois-moi, petit. Si le vieux pourceau avait une dent contre toi, tu le saurais. Que s'est-il passé entre vous? Comme toujours, malentendu, conflit de loyauté, promesses brisées, rien qui vaille la peine de t'inquiéter. Je suis pas inquiet, seulement curieux. On peut être proche sans tout se dire. Pas vrai? D'accord, d'accord. Tu marques un point. Mater mine est... Attention! Allez, cassage de bouche, Chico, tout passe, et c'est terminé. Let's go. Attention. Wow. Ok. Ok. Très bien, et le dernier. Allez, ça dégage. La petite racaille comme ça qui flotte autour de moi, j'aime pas trop ça, je te le dis. Ah, ils sont si différents des autres royaumes. Il y fait chaud, comme à Svartalfheim. Mais... Ok, on était déjà bon ici, de mémoire. Igros. C'était juste un raccourci. Pardon ? Igros. Humide, en grec. Igros. Ça me plaît bien. Ok. Alors, mesdames et messieurs, y a-t-il de nouveaux passages qui se sont... ouvert parce que ce coffre, on l'a toujours pas, hein, mine de rien. Et ça, ça reste pas moins embêtant. Ok. Ouvre la Noken ! C'est elle qui les rend si forts ! La vache ! Ok. À droite ! Merde ! Pas mal, ça ! Ça va exploser ! Ok, c'est pas mal ça. Allez, hop, terminé. Attention à droite. Wouh. Wouah. Vache, c'est quoi ce merdier? Je vois rien, aveuglement de niveau 6. Ok. Allez, tu prends. Let's go. Très bien, donc c'est ça qui les rendait plus forts. Ok. Ah, salopard. Ok, salopard encore. À droite, mon frère. Oh, vache. Très très bien. Bon donc. Ok, on a eu chaud. On a eu très très chaud même. Bon, ça c'est fait. On va récupérer tout ce qu'on a à récupérer. Là, let's go, on l'a. Notre petit coffre manquant. Boum. Allez, superbe. On va escalader ça au calme.
Il y a quand même des briques qui arrivent à supporter mon poids et ça c'est très étonnant. Très bien ça. Et là on va passer où? Et bien, on va passer tout simplement là. Voilà. Ok. Maintenant on va passer par ici. Ah bah dis donc, c'est un challenge pour récupérer ce coffre. J'espère qu'il y a une dingue dedans. Non, parce que s'il y a juste de l'eau, ça moelle. J'ai vu une forge dans le camp de Freyr. Est-ce que Brock les aide depuis tout ce temps? Jérôme de Freyr. Arme. Sois prudent. Pourquoi? Elle est très... familière. Oh voyons, le petit est bien trop jeune à son goût. Quoi? Ok. Allez, on est parti. On a été récupérer une petite rune qu'on ne pouvait pas récupérer à l'époque. Hop, on prend cette vie. Et let's go, on continue. Je rappelle qu'il faut aller rejoindre Freya pour les aider. Ils ont été attaqués par beaucoup trop de monde. Avec cette petite escapade en Vanaheim, tu as désormais visité chacun des 9 royaumes. Je suppose, oui. Peu de mortels peuvent se vanter d'un tel exploit. Pas tellement plus de dieux, d'ailleurs. Même ton père n'a pas encore foulé le sol d'Asgard. Et je ne suis pas pressé. Ildisvini dit que Freyr et Bigvir ont été capturés. Bigvir est l'elfe blanc qui voulait en savoir plus sur la bibliothèque d'Alfheim, pas vrai? Exact. Un savant exilé, époux de la guerrière Beyla. Pourquoi exilé? Tu devras le lui demander. Mais lui et Beyla désiraient voir s'unir leur peuple. Et je suppose que ça n'a pas plu. Alors, Beyla est une elfe noire? Oui. Oh. Bon, j'ai encore plus de questions maintenant. J'espère qu'il va bien. Alors ça c'est embêtant. Très bien. Ça c'était ok les chaînes. Voilà. Je t'ai pas vu. Fireball. Toi je t'avais pas vu mon petit pote. Allez, bon, merci, au revoir. Hop, la vie, ça c'est cool. Quoi? Ok. Oh non, illimité. Regarde, à droite. Très bien. Wow, il a un trip sous acide lui. Bon, ça c'est fait. Et ça, c'est ramassé. Allez, on continue. On va récupérer ce petit coffre des familles qui était bien planqué. Pas du tout. Pas du tout, il était visible de tous. Ça a été difficile de passer à côté. Let's go. Lingots, acier, nains et beaucoup d'argent. Et on aime l'argent, même si j'ai l'impression d'en avoir quand même beaucoup trop. Tiens. Qu'est-ce qu'on a là? Encore what? Un poème? Un parchemin de connaissances. Ok, on doit aller par là. Néanmoins, à gauche, il y avait quelque chose. Là où il y avait le parchemin. Et qui sème le parchemin récolte le doute. Ah! Très bien. Très bien. Alors, il y a une sorte de drapeau FC. Drapeau FC. Le F, on l'a. Ok, ça. Ok, cassage de boue. Voilà, hop. Voilà. Bon, il a pris sa part, hein, le ref. Hein. On l'apprécie enfin. Hop. Voilà. Excuse-moi. Merci. Ah, hop. Oh, c'est dégueulasse, mais j'avoue que ça fait du bien de voir ça. Ok, bon. Là. Mimir. Vous savez bien que le Ragnarok aurait lieu quand Skull et Hati attrapent le soleil et la lune, non? J'ai dit que c'était prédit, une prophétie. Et après avoir vu la Norne, nous ne versons plus la vie. Mais Odin y croit à lui. C'est sans doute pour ça que les Enériards ont volé la lune. Il essaie encore d'éviter le Ragnarok.
Ou bien il s'y prépare et il livre une guerre factice dans ce royaume pour distraire ses ennemis. Oui. Ouh, ben voilà. Ça va tout droit. Alors attendez. Ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, ça me stresse, attendez. C'est beaucoup mieux. Très bien, très bien, très bien, très bien. Eh ben, il est là, le dernier. Oh, on l'a fait. Il reste le flag. Je suppose qu'il n'est pas là. Ok. Est-ce qu'on a... C'est forcément dans la zone. Il suffit juste d'observer. Alors ? Oh, c'est très bizarre. Je pense que je peux pas interagir avec ça pour l'instant. Il nous manque un drapeau. Putain, merde. Excusez-moi, mais... Là ? Bah voilà, je l'ai. Comment on peut faire ? Ok. Oh les bâtards. Ça c'est bâtard ça. Non. Je suis pas, on a beaucoup trop d'armes. Merde. Et ben voilà. Allez, let's go. Let's go, let's go. Ça régale, mon petit pote. Ça va être quoi, une corne? Évidemment, évidemment, évidemment. 1/5, putain, on est dans la merde. Je pense qu'on aura fini le jeu bien avant, je vous le dis. Très bien, ici, il n'y a rien. Ici, on a cassé des gueules. Et on a ouvert le coffre. Let's go, on peut continuer direction la suite de notre aventure. Et c'était par ici, me semble-t-il. Tiens, on va passer par là. Je peux les sentir là-haut. Ok, très bien ça. Hâte de rencontrer Skoll et Hati, petit. Eh bien, après avoir écouté tes histoires, ça va faire bizarre de les voir en vrai. De la légende à la réalité. Au moins, ça promet d'être passionnant. Ok, let's go, on y est. Ok. Bonjour. Regardez la vue. Je crois qu'ils dorment. Alors, heureux, les loups célestes de la légende. Je te l'avais promis, n'est-ce pas? Passionnant. Tu te souviens de leur fresque? Ils n'ont rejoint le ciel qu'après le retour de la lune. Puis ils ont chassé une flèche à travers les cieux. Bon, très bien. Nous ferions mieux d'aller chercher la lune pour la remettre à sa place, non? Tout va bien, rien d'étrange là-dedans. Ok. Bon, hein. Et c'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Bon bah dormez bien les petits potes, hein. On revient tout à l'heure, déconnez pas. Déconnez pas et mourrez pas, hein. En tout cas pas tout de suite. Ah ça, quand on se sert d'une prophétie comme d'une carte, il manque généralement quelques détails. Le village d'à côté abrite un camp de guerriers. Une véritable forteresse pour cacher leur butin. Commençons par là. À part ils disent Vini et les elfes. Qui est dans l'armée de Kroon? Pas tout à fait une armée. Bien que Birgir ait été un soldat arpentant la voie des vagabonds, il manie sans doute toujours sa gigantesque épée brisée. Un vagabond qui ne veut pas nous tuer? Ça change. On va y aller. Putain, j'ai pris énormément de dommages. Eneriar devant. Je suis prêt. Ne emungere sa sinne. Alpha rille, Ok. Allez, cassage de chicos. Ça, hop. Désolé, j'ai besoin de récupérer un petit peu de rage. Ok. Aouka. Fireball! Ah, toi, tu touches pas, c'est ok. Attention à droite! Ok. Ok.
Let's go. C'est pas un endroit très simple pour se battre, mais enfin écoutez, ça a fait le boulot. Ça a fait largement le boulot, let's go. Ça, hop, ça dégage. Oh putain, c'était impressionnant ça, sa mère. Elle a disparu. Ok, qu'est-ce qu'on a là? De circonstances. Très bien. Très très bien. Ok. Là on va se bagarrer là, ça veut dire là, non? Voilà. Ils doivent savoir qu'on arrive. Elle m'attire là. C'est fou qu'ils soient abandonnés. Ils se cachent. Contrairement à notre... Tous les vannes ne sont qui ont connu la guerre. S'ils de se cacher l'angle avec la nature. D'accord. Ça me plaît. Il y a juste un coffre. C'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Allez, on va. Superbe. Superbe, superbe. Choqué, pas déçu. Acier nain, argent et XP. Évidemment, travail accompli. Contenu cryptique. Ok, let's go, on continue. Allez, c'est parti. Alors. Personne. Où sont-ils tous? Oh, souvenez-vous, on s'était battu ici, ça a été terrible. J'étais à deux doigts de scanner, bordel. La boîte à lune, en bas. Ça doit être ça. Ça sent le piège. Again and again. C'est forcément regardez. Une embuscade. Oui. On se remet très, très bien. Ok. Alors, attendez, mais comment on y va? On peut l'atteindre. Là, peut-être. Non. Attention, je l'avais dit. Ok, toi, c'est finito. La vache! C'est stratégique ça! Ok. Ok. Attention, frère! Fireball! Ok, 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 c'est bon, c'est bon, ça va sortir. Tiens, ça va, c'est égal. Ok, ça c'est aussi. Ok, ça c'est puissant, ça, c'est des sorts de catégorie 2, ça. Venez, venez, venez les bibiches. Je vais vous exploser la gorge. Ok. Tiens. Hop, on verra ce que tu penses. Hop. Oh, oh, oh. Désolé. Montage dans les règles de l'art. Allez, viens par ici, toi. Toi, montage dans les règles de l'art. Voilà. Il a plus le temps de bouger, il sait même plus comment il s'appelle. Ok, on va passer par ici. On va faire des petits tours très sympas comme ça. Vache. Ok. Allez. Très bien ça. Bien bien. Bon, attends. Je vais te casser la gueule. J'arrive mon pote. Voilà. C'est bon. 4 heures frérot. C'est le dernier. Ok, ok. Suivant. Très bien. Ok, superbe. Tricheur. Putain, tu commences à me casser les couilles. Attention, j'arrive. J'arrive, mon pote. Mais c'est pas vrai, hein. Espèce de lâche. Ok. Ah voilà, on va faire confiance à Kratos parce que j'arrive pas à l'atteindre. Il se barrache à l'attendre. Espérons que cela affaiblisse les troupes d'Odin. Momentanément, du moins. Ok, ok. M'étonnerait qu'Asgard manque un jour de soldats.
Très bien. On va passer par ici, il y a une petite chaîne. Prêt à remettre la lune à sa place ? Oui. C'est un peu bizarre à dire. Vite, ouais. Elle va nous échapper. Encore, toujours la même histoire. Allez, let's go. Vas-y, mon Atreus. Une double embuscade. Alors ça, je l'avais pas vu. Ok. Fireball. Ok, superbe. Suivant. Je sais pas où ça. Bifrost, à droite. Ok. Tu t'es fait bifroster. Je me suis fait bricoster, mais pardon. Elle a encore filé. Vite, il faut qu'on traverse. Ok, ok. On a dit je me suis fait bifroster, je te permets pas, oh. Je me suis fait double frost. Là. Elle remonte la cascade. C'est incroyable ça. Quelle est cette sorcellerie? Sur ta droite. Voilà. Ok. Bien. Regardez, hein, ça va chicoter. Hein. Allez, ça dégage. J'adore. Le petit montage en l'air comme ça dans les règles. Elle est toujours là-haut. Une autre embuscade. Sérieusement? Jamais 203. Ils sont stupides. Oui, tu peux le dire. Ok, 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 ok. Alors attendez. Y a des choses un peu à gauche, à droite. C'est là où on avait récupéré pas mal de trucs. Très bien. En fait, on se rend pas compte, mais on refait à peu près les mêmes endroits. En fait, et ça, c'est plutôt cool, hein, pour le coup. Hein. Tout ça, là. C'est on s'en rendait pas compte dans le level design, en fait. De Scoliati. Les loups sont de retour à Vanheim. Et nous sauvons la lune. Oui. Je me souviens de la prophétie. Alors, ça ne te rend pas inquiet ? Si tout ce qu'on a fait maintenant est arrivé dans la fresque des Jotnar. Souviens-toi de notre accord. Nous ne laisserons pas la prophétie dicter nos actes. Oui. Nos alliés ont besoin d'aide. Concentrons-nous là-dessus. Très bien. Que se passe-t-il ? Mon frère, on s'est trompé de chemin. Notre voleuse s'est dirigée vers le ciel. D'accord. Ah, d'accord, ok. On pouvait donc pas aller en bas, c'est bizarre ça. On reviendra ici alors, certainement, non? Je sais pas. Peut-être un boss, qui sait. Ok. On va y arriver. Oh, qu'est-ce que c'est? Une vouivre! C'est une sale bête! Faites attention! Ah! Essaie d'attraper. Wow. C'est fait. Allez, cassage de bouche. Ça va, tu commences à me casser les couilles. Tu fais trop le fou avec moi alors que je suis Kratos, frérot. Rien toi, mon frère. Allez, ça dégage. Allez, hop, éclatage de gueule. Voilà. Bah c'est littéralement un brisage de nuit. Derrière toi, ouais, regarde. Wouh. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh, ça c'est du passage de dans les règles de l'art. Elle a pas ronchonné, hein. Ça a pas ronchonné, je te le dis, mon petit pote. Hein. Bon, il y avait ça, mais ça aurait été beaucoup trop facile, tu comprends. Écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.